Aujourd'hui, Schneider a une présence très forte en Afrique, plus de 2700 employés sur l'ensemble des 14 filiales qu'aujourd'hui compte le groupe. Nous avons aujourd'hui une ambition d'apporter l'expertise au plus proche de nos clients. Un nombre important de techniciens aujourd'hui sur le terrain sont capables bien sûr de mettre en service nos solutions, mais aussi d'apporter de la maintenance et de l'expertise. En tout cas, aujourd'hui, une dimension très forte en Afrique se dessine, avec une accélération bien sûr au Maroc, mais partout en Afrique subsaharienne. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir présenter l'ensemble des innovations du groupe sur le stand Jaitex à Marrakech, au Maroc. Et on a aujourd'hui le vrai plaisir d'accueillir l'ensemble de nos clients et partenaires. On en a plus de 500 en Afrique pour pouvoir échanger et mettre des perspectives en place sur des stratégies de décarbonation et d'accompagnement sur des solutions de digitalisation et d'électrification. Le Maroc reste quand même la locomotive de la région, il faut bien l'avouer. On est un petit peu en avance côté infrastructure, on est en avance côté développement. Et donc on voudrait faire, on va dire, profiter nos amis africains de cette expérience marocaine pour surtout beaucoup de choses, pour l'infrastructure électrique ou des nouveaux data centers. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait, que ce soit avec les opérateurs télécoms ou même des opérateurs privés.